Bienvenue encore avec moi. Je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo, avec une nouvelle recette. Je vous retrouve avec une douceur très 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 bonne de la cuisine turque. Donc on va faire baklava turc ou bien baklava rolls. Alors c'est très 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 facile. On a besoin de ces ingrédients là que je vais vous laisser tout comme toujours au début de la vidéo. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais mixer les amandes avec le sucre à la fleur d'oranger. Donc sucre fleur d'oranger, je vais mixer avec. Donc je vais pas mixer avec le sucre. J'aurai besoin du beurre fondu, du miel, une pincée de sel et un peu de cannelle. Et bien sûr, on a besoin de la pâte à filo, une pâte qui est très très bien mais qui est très très fine et très fragile. Alors on passe directement à la préparation. Donc à l'intérieur, bien à la farce de ces rolls, baklava rolls, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des pistaches, des amandes, des cacahuètes, selon ce que vous voulez, des sésames, selon votre goût. Aujourd'hui, je vous prépare avec une touche marocaine, donc à base de fleurs d'oranger, la cannelle et les amandes. Allez, je vais passer tout de suite à mixer nos amandes, d'accord? Donc je vais prendre mon mixeur, ou bien mon hachoir. Donc directement dans mon hachoir, je vais disposer mes amandes. Donc les amandes, je les ai frites dans un bain de l'huile froid. Je ne sais pas trop, j'ai baissé un petit peu le feu pour que je leur laisse le temps à cuire doucement. Donc je vais mixer, je ne veux pas que ça soit trop en poudre. Je veux qu'il reste un peu des petits grumeaux d'amandes concassées. Donc voilà, comme vous voyez. Donc c'est pas très en poudre, ça reste des petits morceaux d'amandes. Comme vous voyez. Pardon. Là, ce que je vais faire, moi, ce que je fais, s'il y a des grands morceaux comme ça, comme vous voyez maintenant, il en reste, je les récupère. Et je le mets dans mon hachoir et je vais le remixer. Donc je rajoute, je vais pas trop bien rajouter dans le mixeur. Donc là je vais rajouter un sachet de fleurs d'oranger sur celle-là et je vais le mixer avec. Donc toujours j'essaie, donc j'ai mixé toute la quantité et j'essaie toujours s'il y a des grands morceaux, comme vous voyez, je vais les remixer. Donc c'est bien, c'est tip top. Alors voilà, après avoir concassé tous mes amandes, comme vous voyez, de cette façon, d'accord, donc donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter 3 cuillères de beurre fondu. Pardon. Donc bien sûr, je précise pour le beurre, il faut que ce soit du beurre de bonne qualité et de la faire fondre sur le feu et de lui retirer le lait qui est dedans pour que ça humidifie pas notre pâte à filo. Donc je mélange bien et là je rajoute une tête de cuillère de cannelle. La cannelle, en fait, selon votre goût, ce que vous voulez, soit plus soit moins. Et là je vais rajouter une petite pincée de sel. Comme vous savez, c'est très important, le sel dans les gâteaux, pour que ça ressorte tous les goûts. Donc voilà. Et là, vous avez vu, on n'a pas mis de sucre, rien de tout. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une cuillère du miel, une grande cuillère du miel, ou bien vous pouvez mettre, vous pouvez faire sans. Parce que comme ce gâteau, on va l'arroser avec du miel, donc c'est pas grave si on n'a pas mis du miel dedans. Donc là, je vais mettre une petite cuillère, je vais rajouter une deuxième.
Donc je mélange. Donc comme je vous avais dit, vous pouvez faire avec la pistache, avec les sésames, ou bien un mélange entre cacao et sésame, ou bien qu'avec les amandes, ou bien un mélange entre les deux. Donc vous pouvez mélanger avec ce que vous voulez la farce. Au niveau de fruits secs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà, j'obtiens un résultat comme ceci. Donc il faut faire doucement, il est très fragile. Voilà, donc il faut juste que votre plan de travail soit pas humidifié, où il n'y a pas d'eau. Donc il faut faire vraiment doucement. Donc ce que je vais faire, je vais prendre deux feuilles. En premier. Et pour le reste, de la pâte, il faut le couvrir. Sinon, ça va sécher. Donc parce que c'est une pâte qui est vraiment très très fragile. Donc je la pose. Et là, pour le reste de la pâte, je le recouvre et je le laisse dans un torchon pour que ça ne sèche pas. Donc là, j'ai pris les deux feuilles. Pinceau. Je vais badigeonner tout le... Je vais badigeonner toute ma pâte. D'accord? Comme vous voyez. Allez, du beurre. Donc, vous faites doucement. Là, j'ai préparé avant, j'ai préparé avant un bâtonnet. J'ai mis des grandes piques qu'on met le barbecue dedans, bien qu'on utilise pour nos grillades, et j'ai roulé de film alimentaire dedans, autour, je veux dire. Donc, je prends ce rouleau là, comme vous voyez, je mets le bâtonnet, je le mets là au début et je le roule. Et là, je vais commencer à déposer ma farce, des amandes concassées de cette manière. Donc, pourquoi j'ai utilisé ce bâtonnet, c'est ça va nous aider beaucoup pour rouler notre pâte à filo qui est très fragile. Donc la quantité, vraiment, il ne faut pas trop en mettre, juste peu, et c'est largement suffisant. D'accord? Donc je roule et je serre bien, il ne faut pas s'inquiéter. Comme vous voyez, s'il en faut un peu de beurre, vous pouvez le rajouter. J'espère que vous voyez. D'accord? Et là, ce que je fais, je viens dans les côtés et j'essaye de cirer de cette façon pour que ça lui donne une jolie forme à notre baklava. De cette manière, comme vous voyez. Là, ce que je vais prendre, un plateau qui va au four. Donc, je vais le badigeonner avec un tout petit peu de beurre. D'accord? Donc en appuyant sur les extrémités, ça lui donne vraiment une jolie forme. Et donc je prends mon bâtonnet que j'ai préparé et je le dispose. Donc je pousse de cette façon. Vous avez vu, ce bâtonnet, ça nous aide à faire cette opération. Voilà. Et de suite, je la badigeonne avec du beurre. Donc voilà, et je le mets à côté et je vais répéter l'opération avec le reste de la pâte. Et je dispose de cette façon. Voilà. Voilà. Donc j'obtiens cette quantité là. J'ai utilisé deux paquets de pâte à filo. Donc je vais tout d'abord la couper. On vient de la couper, c'est mieux. Donc je la partage en deux. De cette façon. Après, je vais la badigeonner avec du beurre pour avoir une jolie dorure.
Donc la taille, vous pouvez le couper selon ce que vous voulez. Moi, je le coupe en deux. Après, je la recoupe en deux. Après, là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés à peu près. Donc, je vais allumer que le bas. C'est four électrique. Je vais allumer que le bas jusqu'à la dorure de bas. Après, je rallume là-haut pour une belle dorure. Donc j'ai déjà bas déjeuné, donc certains, donc les deux derniers qui me restent, je vais les bas déjeuner avec un peu du beurre, comme je vous avais dit, pour avoir une jolie dorure. Donc je vais la remettre au four à cuire à peu près 20 minutes, à surveiller bien sûr selon votre four. Donc voilà les amis, j'ai sorti mon plateau du four, donc voilà comme vous voyez, c'est encore chaud. Donc tant que c'est encore chaud, je vais l'arroser avec du miel, d'accord? Et là, ce que j'ai fait, j'ai gardé un tout petit peu de la farce. J'ai gardé deux cuillères, équivalent de deux cuillères à soupe. Je vais leur rajouter un tout petit peu de cannelle, parce que j'aime bien, c'est tout. Sinon, si vous, vous voulez... c'est pour décorer nos baklawa. Vous, si vous voulez la décorer avec des amandes filées, ou bien de faire sans, de la laisser juste comme ça, vous pouvez le faire. Donc là, je prends le miel, comme vous voyez, et j'essaie de l'arroser de cette façon. Tant que c'est chaud, pour que notre gâteau il absorbe le maximum du miel. Donc la quantité de miel selon vraiment votre goût, est-ce que vous voulez que ça soit bien imprégné, bien du miel ou pas. Donc c'est largement suffisant. Donc je vais prendre la farce qui me reste, les amandes concassées. Je vais les décorer de cette façon, juste comme ça. Après, vous avez le choix de le décorer comme vous voulez, tant qu'il y a encore le miel, donc pour que ça colle. Voilà. Donc voilà les amis, le résultat de notre baklawa. Il est vraiment super. Ça fond à la bouche. Donc, il a bien absorbé le miel. Donc, j'ai décoré de cette façon. Vous pouvez, donc j'ai utilisé toute la quantité. Donc vous avez le choix de la servir dans des caissettes individuelles ou bien de les poser juste dans une assiette. Donc là, je vais vous montrer. Une. Je vais prendre du milieu. Comme ça, vous allez voir. Regardez-moi. Donc voilà les amis, c'est la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager et d'essayer la recette. Avec ce résultat, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.